Bonjour à YouTube, on est officiellement en live pour ce premier live. Je suis très heureux d'être avec vous, on va attendre encore un petit peu, il n'est pas encore 18h. Je vois qu'on est déjà 6. Je suis très content que vous soyez là, je suis très excité d'avoir à vous présenter ce que j'ai mis plusieurs mois à préparer. On va attendre encore quelques instants. Entre-temps, est-ce que, juste pour vérifier, normalement, vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le comment s'appelle, dans le chat YouTube. Si vous pouvez, vous pouvez déjà me dire si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à monter le son pour que ce soit vraiment confortable pour vous, pour que on ait justement ce petit moment ensemble. J'espère que vous avez du pop-corn et que vous êtes là dans de bonnes conditions pour pouvoir profiter de justement de ce moment pour apprendre comment Russell Brunson s'y prend. Donc n'hésitez pas à monter le son, n'hésitez pas à monter le son pour être bien confortable, et on va commencer. Alors boum! Aujourd'hui, je suis excité d'être avec vous. On est là pour un live vraiment intéressant, je pense. Ça fait plusieurs mois que je pense à ce format-là, ça fait plusieurs semaines que je travaille activement à le préparer, et aujourd'hui, c'est le grand moment, c'est le moment où on vient en live. Donc merci pour votre réponse, hein, Romain et Bilal. Je vois bien les commentaires, donc n'hésitez pas à échanger par le biais du chat YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment Russell Brunson s'y prend avec son tunnel de vente de Dotcom Secrets pour générer 185 000 euros par mois et 10 000 clients supplémentaires sans même vendre ce qui est son produit phare, en fait. C'est toute la puissance de ce tunnel de vente. C'est un livre qui est exceptionnel. Et on va voir en détail justement comment il s'y prend pour avoir un bon livre et en même temps le vendre extrêmement bien. Pour vous donner un petit contexte, le livre Dotcom Secret ressemble à ceci. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais bon, voilà globalement à quoi il ressemble. C'est un livre en anglais. Et vous pouvez voir en filigrane sur la droite la page de vente qui vous permet justement d'acheter ce livre. Et on y verra plus tard. Tout à l'heure, en fait, on va vraiment parcourir tous les aspects importants en fait, de ce système de vente, de l'acquisition de trafic à toutes les différentes offres qu'on va pouvoir voir. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 secondes de délai entre YouTube et ma vidéo là, en live. Ça peut mettre un petit peu de temps pour que j'ai vos retours éventuellement. Mais on est parti. Donc, voilà à quoi ressemble le livre. Et en fait, c'est qu'une des parties du tunnel de vente, et c'est là où ce livre ne serait pas rentable. On va voir que justement, ce système de vente fait tout, ce tunnel de vente fait absolument tout pour justement réussir à transformer un produit qui est bon, mais qui ne serait pas rentable, en quelque chose qui est rentable, et en fait, juste un premier pied dans la porte, si vous vous rappelez de mes lives en décembre sur Instagram, un pied dans la porte, donc ça veut dire une première... Un premier lien, un premier achat en fait de la part de ses clients et qui permet derrière d'avoir des clients qui sont qualifiés et qui lui permet derrière de vendre toutes ses formations qui sont extrêmement qui sont plus chères et surtout son produit. Mais on verra ça en temps utile. Bonjour Romain. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout. Hein. On est encore en début du live, on a encore pour quelques instants, on va voir plein de choses super intéressantes. Et pour ceux qui restent, j'ai une petite surprise. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans les commentaires. J'ai prévu deux moments dans le live pour pouvoir justement répondre à vos questions, vous apporter des précisions si besoin. Si vous avez des questions sur comment l'appliquer à votre business, sur des points que vous n'avez pas forcément compris, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour ça. C'est un sujet qui me plaît vraiment, donc je le fais avec plaisir et passion. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et on est là justement en live pour permettre ce genre d'interaction. Donc n'hésitez pas, il y a le chat YouTube qui est ouvert sur mon autre écran là à côté, que vous pouvez voir. Je regarde sur le côté, c'est parce que justement je regarde vos interactions, vos réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions et surtout, restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous dévoile un petit bonus qui devrait vous intéresser. Donc restez jusqu'au bout et on aura quelque chose qui vous permettra justement d'aller plus loin. Pourquoi j'arrive plus à bouger ma souris?
Avant de passer à justement la présentation de qui est Russell, qui va nous occuper dans la foulée, je vais vous donner deux petits mots sur ce que je fais pour ceux qui ne me connaîtraient pas forcément. Donc je m'appelle Amaury Duval, je suis chercheur en système de vente, d'où la blouse que j'ai mise aujourd'hui pour ce live. Je trouve que c'est une belle illustration, j'avais une loupe, mais je ne la trouve pas, donc je ferai ça peut-être une prochaine fois. Et donc je suis chercheur en système de vente, donc ça veut dire que le système de vente me fascine et j'aide mes clients là-dessus. Et en fait, ça me fascine tellement que j'y dédie complètement mon temps, à la fois à lire, à étudier tout ce que je peux trouver et à creuser en profondeur les systèmes de vente des entrepreneurs d'élite que je peux trouver. Et quand j'entends système de vente, du coup, c'est un ensemble d'engagements qu'on va pouvoir avoir nos clients, à la fois avec notre marque, avec nous, si on a une marque personnelle, ou avec nos produits, nos offres. Et pour ça, j'ai globalement dans ma boîte à outils deux outils majeurs qui sont la compréhension, l'analyse et l'intérêt pour la psychologie humaine. Donc ça veut dire quels sont les leviers qui nous permettent justement de faciliter la prise de décision chez nos clients, nos prospects. Et pour être sûr d'aller toujours dans la bonne direction, donc de savoir qu'est-ce qu'il faut itérer, qu'est-ce qu'il faut modifier, quelles sont nos priorités, j'ai un vrai faible. Et ça, c'est probablement la déformation vu que je suis ingénieur, pour l'analyse de données. Les données me parlent et me donnent souvent le sentiment de mon marché. Et c'est ce marché, en fait, justement, qui me permet de savoir qu'est-ce que je dois modifier en priorité pour avoir le maximum d'impact. Et du coup, bah, quel que soit le nombre d'employés qu'on peut avoir dans une entreprise, on est toujours en ressources limitées. Et l'idée est, grâce à cette analyse, de savoir exactement ce qu'il faut modifier et ce qu'il faut prioriser pour avoir le maximum d'impact avec les ressources dont on dispose. Voilà ce que je fais. Vous pourrez voir plus tard le lien vers mon site, mais vous pourrez retourner facilement avec le petit bonus que j'aurai à vous proposer à la fin. Donc, maintenant qu'on sait un petit peu qui je suis, bonsoir David, on va parler de Russell Brunson. On va rentrer dans le vif du sujet. Restez avec moi et on va voir tout ça. Russell Brunson, c'est cet homme. Donc, vous pouvez voir avec toutes ses mensurations, avec sa femme, Russell Brunson, c'est un expert en marketing digital. Jusque-là, vous le saviez peut-être, il a fait ça pendant de nombreuses années, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, il a touché à beaucoup de choses, on va voir ça dans la foulée, c'est un garçon qui a 39 ans, il fait 1m88, comme vous pouvez voir avec la flèche, et il habite aux États-Unis, dans l'Idaho, à Boise. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais voilà, donc vous pouvez voir sur la carte le petit point où il habite. Où il habite et où il a sa société. Et il est marié, il a 5 enfants, et il a un patrimoine global de 40 millions d'euros, enfin 40 millions de dollars, en 2019. Donc lui et sa femme, avec qui il s'est marié assez tôt, quand il était encore à l'université. En fait, Russell, c'est un passionné. Russell, il a commencé très tôt à être un petit peu bizarre, mais en même temps complètement focalisé sur un sujet qui le passionne. C'est-à-dire le marketing. Et à l'époque, parce que du coup à 39 ans, quand il était encore jeune, il n'y avait pas forcément un internet qui était aussi développé, le marketing direct, se passait essentiellement par voie postale. Et vous pouvez voir justement sur cette photo qu'il est avec d'énormes quantités de prospectus, hein, le genre de choses qu'on jette à la poubelle, mais qui pour lui était d'une source d'intérêt franchement forte, parce que c'était une façon d'avoir un accès à justement des vendeurs professionnels qui vendait grâce à du marketing direct. Donc du marketing direct, ça veut dire qui va être en contact direct avec le client. Donc c'est ce qu'on peut voir notamment maintenant avec le marketing contemporain qui est avec Facebook ou ce genre de choses. Et en fait, ce carton-là rendait absolument fou ses parents parce que la boîte aux lettres familiale était toujours remplie de prospectus qui ne les intéressaient absolument pas. Et lui, il se raffolait de ça et il remplissait sa chambre avec ses prospectus qu'il lisait, qu'il étudiait. Et toutes ces lettres de vente, il essayait même des fois d'acheter certains produits pour aller voir bah, justement où est-ce que ça allait derrière. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'intéresser à toutes ces lettres de vente qui nous permettent justement de savoir bah, quels sont les mécanismes de ces entrepreneurs d'élite. Parce que depuis qu'il fait ça, depuis qu'il est jeune, il a eu le temps justement d'avoir énormément d'expérience. Et ce qui fait que bah, les systèmes de vente, les tunnels de vente qu'il met en place maintenant sont d'une qualité qui sont quand même incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a un patrimoine de 40 millions de dollars et qu'il dirige une entreprise qui, l'année dernière, faisait 100 millions de dollars par an.
On verra ça, on le fera en deux parties, mais on verra justement bah, tout le reste de son univers qui est aussi captivant. Et justement, cet univers, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une partie particulièrement intéressante qui est l'entrée et qui nous permettra justement de voir plus en perspective quel est son univers et ce qui lui permet justement de faire ses 100 millions de dollars par an. Il faut savoir que ce petit Russell Brunson, quand il était plus jeune, a commencé pas en marketing direct. Justement, il avait énormément de papiers qui arrivaient chez lui et qui lui permettaient de s'entraîner, d'apprendre énormément de choses. Mais en fait, le marketing direct, c'est quand même très coûteux. Il faut envoyer du papier chez les gens, et même à l'époque, pour justement utiliser par voie postale, pour envoyer autant de messages de vente par voie postale, c'était coûteux. Étant étudiant, étant un peu fauché, il ne pouvait pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc, à l'arrivée d'Internet, il s'est justement dit qu'il allait le faire, mais sur Internet. Et pendant qu'il était à l'université, il avait une passion qui s'appelle les potato guns. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est globalement les cylindres sur lesquels on met du gaz et qui, lorsqu'on les allume, permet de faire partir des patates. En France, c'est qualifié comme une arme, donc c'est pas quelque chose à faire. Voilà, je vous le déconseille. Mais du coup, il avait mis en place ces week-ends, il les occupait à construire des patato guns. Et il s'avère qu'il n'y avait personne sur Internet à cette époque qui expliquait justement comment construire un patato gun. Donc, c'est dit, et si je faisais un cours qui permettait justement aux gens de savoir comment bah, construire justement un potato gun, pas de potato, enfin bon voilà, vous voyez l'idée. Donc, il a fait ce projet-là, il s'avère qu'il en a eu plein d'autres, donc on va juste parler de celui-là, mais on parlera potentiellement de la suite enfin, plus tard. C'est vendre était du coup sa passion, et ce potato gun était le premier grâce auquel il a réussi à faire de l'argent jusqu'au jour où Google a décidé que ben, voilà, le coût pour faire de la publicité sur Google augmentait. C'était sa source de trafic principale. Donc, il se positionnait sur le mot-clé construire un potato gun, ce qui lui permettait du coup d'avoir du trafic sur sa page, de vendre son produit, donc sa formation, que vous pouviez voir sur la slide précédente, et du coup d'arriver ben, justement à faire de l'argent grâce à ça, parce qu'il n'y avait pas énormément de coûts, et à la fois de payer ses pubs et de faire de l'argent. Jusqu'au jour où Google a augmenté ses tarifs. Il est devenu du coup plus profitable. Vendre ce CD n'était plus possible. La publicité coûtait beaucoup trop cher, la conversion n'était pas suffisante. Et c'était, bah voilà, il a dû arrêter. Et du jour au lendemain, sa source en fait de revenus s'est arrêtée. Il était bien embêté. Et du coup, après plusieurs recherches, après beaucoup de discussions avec quelques autres entrepreneurs, en fait, il s'est dit que soit il fallait réduire les coûts de publicité, donc soit il fallait réduire son coût d'acquisition, ce qui, du coup, sur Google, allait être compliqué, soit il fallait augmenter la valeur qu'il arrivait à capturer par ses utilisateurs, globalement, par ses clients. Et c'est exactement cette deuxième option qu'il a choisi de faire, et c'est ce qu'il a fait passer d'un site e-commerce, donc ça veut dire un site classique où les gens arrivent, ils achètent un produit, c'est terminé, à ce qu'on appelle un tunnel de vente. Ça veut dire un ensemble d'étapes qui vont permettre justement d'augmenter le panier moyen des clients et du coup d'être capable de mieux absorber le coût d'acquisition de ces clients-là. Donc si on peut dépenser plus, on peut du coup à nouveau être rentable dans un environnement qui ne l'était pas ou alors envisager d'avoir des canaux d'acquisition qui étaient jusqu'à présent pas possibles, pas accessibles. C'est exactement ce qu'il a fait et on va voir en détail ce qu'un tunnel de vente permet. Et en fait, au-delà de ça, un tunnel de vente, ça permet aussi de faire globalement mourir, ou enfin, en tout cas de se distancer très largement tous ses concurrents. Si tous vos concurrents peuvent dépenser 10 euros pour avoir un client et que vous êtes capable d'en dépenser 20, ben vous êtes irrattrapable, vous êtes inarrêtable. Et c'est exactement l'intérêt d'un tunnel de vente. C'est que à la fois, vous pouvez avoir des acquisitions marketing qui sont inaccessibles pour vos concurrents, mais aussi sur les tunnels, enfin, sur les systèmes d'acquisition qui sont plus traditionnels, qui sont utilisés par vos concurrents, vous pouvez dépenser plus. Ça ne veut pas dire que vous devez, mais vous pouvez dépenser plus et du coup vous êtes capable d'être largement plus compétitif, de faire beaucoup plus de profit, du coup d'investir plus et du coup de grossir plus vite. C'est les tunnels de vente, les systèmes de vente, c'est le meilleur moyen pour distancer votre compétition et pour faire croître votre entreprise rapidement.
Pour vous donner un petit exemple, et pour, on verra tout ça en détail plus tard, mais l'univers ClickFunnels, donc l'univers construit par Russell Brunson, ne s'arrête pas à Dotcom Secret qu'on va voir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres aspects. Donc, il y a le fameux ClickFunnels dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un logiciel qui permet de construire des tunnels de vente. Il y a un autre livre qui s'appelle Expert Secret, qui est plus ou moins la suite de Dotcom Secret. Il y a ce qu'on appelle le funnel Rolodex, c'est une marketplace pour freelance. Il y a tous les sous-produits de la galaxie ClickFunnels, qui sont Actionetics, Backpack. Il y a ses conférences avec le Funnel Hacking Live. Il y a le Tucoma Club, il y a le One Funnel Away Challenge. Le Tucoma Club, c'est un club pour tous les entrepreneurs qui ont fait plus d'un million en utilisant la solution ClickFunnels. Donc ça, c'est un système qui lui permet ensuite de recruter, avec son événement en live qui se tient annuellement aux États-Unis, des gens vers son coaching, sa mastermind, qui facture largement plus cher et du coup qui lui permet d'être aussi extrêmement rentable. On verra ça après. Pour vous placer un petit peu cette méthodologie, parce que j'ai une blouse blanche, hein, donc on va essayer d'avoir une méthodologie qui est scientifique, je vous ai préparé justement un petit point méthodologique. Comment j'ai fait pour justement avoir toutes les informations que je vous présente aujourd'hui, que je vais vous présenter dans la foulée, hein, ça arrive, je vous pose juste le contexte pour l'instant. Cette approche expérimentale, en fait, consiste à recueillir toutes les informations que je peux trouver, donc ça veut dire à la fois sur les sites internet de ces, par exemple, Dotcom Secrets, le site de Dotcom Secrets, récupère absolument toutes les informations que je peux trouver, sur toutes les pages de vente, sur toutes les formations qu'il a pu faire. Il s'avère que c'est une galaxie assez large, et j'ai quand même énormément passé de temps sur l'univers de Russell pour préparer ça. Et à plein d'endroits, il nous donne des chiffres sur ses différentes activités, souvent pour frimer, donc il faut les voir avec un esprit critique, mais quand même, on arrive à avoir des chiffres qu'il nous donne, qu'on peut avoir avec ses partenaires. Et du coup, que ce soit par email, avec ses partenaires, sur les différents produits qu'on peut avoir, tout ce qui nous arrive en fait de Russell, ou alors de son univers, de ses partenaires, tout ça, j'ai agrégé tout ça, ce qui me permet d'avoir étayé justement de chiffres, parce que vous le verrez dans ce live, dans les suivants, que j'adore les chiffres. Je trouve qu'on comprend mieux quand on met en perspective, et ça nous permet de savoir est-ce qu'il faut plutôt investiguer sur ce point-là ou être plutôt sur ce point-là. Et c'est ça qui nous permet d'avoir le plus d'impact avec un effort modéré. Petit effort, gros impact, ce qui permet du coup d'avoir éventuellement plusieurs champs de bataille avec plusieurs champs où on fait des petits efforts. Une fois que j'ai agrégé toute cette information, je la complète avec différents outils qu'on peut trouver sur Internet et qui nous permettent d'avoir des informations complémentaires un peu plus factuelle, un peu quantitative, à la fois qualitative, sur tout cet univers, tout ce tunnel, tout ce système éventuellement. Et grâce à toutes ces informations, donc ce que je récupère dans son univers, ce que je récupère ailleurs, j'agrège tout ça, et du coup, je réexploite certaines informations que j'ai eues, j'en construis d'autres, et vous verrez, à différents moments, je vous montrerai justement les informations que j'ai réussi à récupérer, les informations que j'ai construites, et avec une approche hypothèse-conclusion qu'on va pouvoir construire ensemble. Et ce qui nous amène justement à cette synthèse que je vous présente aujourd'hui. Cette recherche justement est construite à plusieurs niveaux. Il faut savoir qu'un tunnel de vente est l'ensemble de plein de points qui sont complémentaires et qui permettent justement d'avoir un voyage qu'on propose à nos visiteurs, nos prospects, pour en faire de vrais clients, des fans, qui nous achètent et qui nous réachètent et qui nous recommandent. C'est l'objectif ultime. Pour arriver à ça, il y a plusieurs points qu'il faut prendre en compte. Donc déjà, il faut avoir des gens qui viennent sur notre site, donc le trafic, à qui on va présenter donc une offre, avec justement différentes étapes, parce qu'on ne va pas vendre à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue un stylo à 10 000 euros. D'abord, il va falloir commencer à le chauffer, à créer la confiance, pour ensuite être capable de lui vendre des produits qui vont être chers, qui l'aident beaucoup, mais du coup qui sont très chers. Pour être justement capable de mettre tout ça en mouvement, on utilise ce qu'on appelle le copywriting. C'est la façon d'écrire des messages de vente. C'est globalement tout ce qui va être l'art de communiquer ou la science de communiquer pour impacter. Donc ça veut dire sur une publicité, ce qui va nous permettre d'inciter les gens à cliquer. Sur une page de vente, ce qui va inciter les gens à cliquer ou à acheter. Ça, c'est le copywriting et c'est globalement englobant sur toutes les étapes du système de vente. Ce qui nous permet du coup de créer la relation,
avec différents outils qui permettent de mettre tout ça en mouvement, et avec une partie gestion de la partie après-vente. Et c'est globalement les différentes étapes qu'on va pouvoir voir dans l'analyse d'aujourd'hui. Tout ça permet à Russell de faire ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que tous les mois, sans même vendre son produit principal, hein, qui est ClickFunnels et qu'on verra en détail tout à l'heure, ou plus la prochaine fois, sans même vendre ClickFunnels, d'avoir 10 000 prospects qu'il achète à coup de pub, on verra ça tout à l'heure, sans dépenser un centime et en se faisant même payer 185 000 dollars. C'est grâce à ce système-là. Donc, on va voir en détail chacune des parties et on est parti. Avant ça, petite vue d'ensemble de comment justement se compose son système de Dotcom Secret, qui est le système qu'on étudie aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble le tunnel de vente qu'on utilise aujourd'hui. Il se consiste en plusieurs étapes et c'est le principe en fait d'un tunnel de vente, c'est que plutôt que d'avoir juste un produit à vendre, on va avoir un ensemble de produits qui constituent une échelle de valeur. Globalement, il y a des gens qui arrivent sur le site internet, que ce soit avec de la publicité ou autre. Bon, là, j'ai mis publicité, je pense que j'aurais pu en mettre d'autres. Ces gens arrivent du coup sur une page de vente qui est, je ne sais pas si vous voyez ma souris, et je pense que non, hein, je pense que non, vous ne voyez pas ma souris. Donc en gros, sur la deuxième étape, peut-être que vous voyez ma souris si je fais ça. Eh oui. Oui, vous voyez ma souris du coup. La deuxième étape, donc là où il y a le point rouge, c'est la page de vente. Donc c'est la page qui propose justement de vendre le produit. C'est-à-dire qu'on est sur une offre qu'on appelle free plus shipping. Donc ça veut dire que le livre est offert et il n'est à la charge de l'acheteur que les frais de port, qui sont plutôt chers. Donc je pense que c'est quand même une partie qui est prise en charge, mais bon voilà. Là, cette première page, c'est vendre le livre uniquement. Je vends le livre que j'offre et c'est ce que je promets dans mes pubs. Avoir le livre. Quand les gens achètent le livre, là, ils arrivent sur ce qu'on appelle un upsell. Ça veut dire proposer plus à quelqu'un qui a déjà acheté. Donc ça veut dire, ok, vous venez d'acheter une paire de chaussures, est-ce que vous voulez aussi un chausse-pied? Après que justement la personne ait déjà payé. Donc c'est un deuxième passage en caisse, mais instantané. C'est aussi ça l'intérêt d'un tunnel de vente, c'est qu'il n'y a pas besoin de remettre sa carte bancaire, l'empreinte a été faite, ou globalement l'idée, et le simple fait d'accepter permet justement d'acheter à nouveau sans avoir ce système en fait de justement re-rentrer cette information. Donc le premier upsell, cette vente complémentaire, est le livre audio. Vous venez d'acheter le livre physique qui va arriver chez vous bientôt, et vous pouvez acheter et avoir du coup direct le livre audio. On verra tout ça en détail, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble. Une fois que vous avez acheté ou pas, hein, vous êtes libre de ne pas acheter, vous êtes amené sur une page où vous pouvez acheter un cours complémentaire, ce qui s'appelle Traffic Secret, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les sources de trafic. Et si vous n'achetez pas, il vous propose un moyen de payer en plusieurs fois ce cours, ce qu'on appelle un downsell. Donc ça veut dire, si vous n'avez pas voulu acheter ça, je vous fais un geste pour que vous l'achetiez quand même ou que vous achetiez autre chose. Qui nous amène ensuite sur la page de confirmation, et là, il nous lâche. On peut avoir, on a terminé le processus d'achat sur ce tunnel-là et on peut passer à autre chose. Bien sûr, on peut passer à autre chose à chaque fois, mais voilà globalement le fonctionnement. C'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on va étudier, comme vous l'avez pu le voir avec la petite animation de la loupe. Comment se décompose justement cette offre? Il y a plusieurs façons d'avoir du trafic. Vous pouvez voir qu'on récupère justement avec cette vue d'ensemble du trafic sur Facebook, Google, YouTube, AdWords, Facebook Ads, avec de l'affiliation, donc ça veut dire des gens qui promeuvent ce contenu, et grâce à du bouche à oreille. Le contenu justement qui promeut ce livre, parce que l'offre, en fait, il n'y a pas vraiment d'offre d'appel, si ce n'est le livre qui n'est pas très cher, c'est des vidéos qu'on peut voir soit dans les publicités, soit sur la page web, avec une page de vente qui justement place tout ça. Et l'offre, c'est justement un livre audio, qui est l'upsell avec la formation en ligne et le livre qui est l'offre principale. Voilà pour avoir une synthèse justement de ce tunnel et on pourra justement grâce à ça comparer les différents systèmes, les différents tunnels qu'on étudiera parce que c'est pour vous spoiler que le premier live. Je pense que c'est un format qui me plaît et puis ça me permet de partager avec vous justement mes recherches pour que vous n'ayez pas à le faire et puis parce que voilà, ça me passionne et donc je trouve ça assez cool de pouvoir vous le partager. Parce que je n'avais pas trouvé ce format ailleurs. Donc, ça nous permet, cette forme-là nous permettra de les comparer. Bonjour, localiste, bienvenue.
Je vois que vous n'avez pas encore de questions, donc voilà, j'avais prévu un petit temps entre les deux pour justement poser des questions. Donc je vous propose que je vais boire un coup et je vous propose qu'on continue tout de suite pour passer dans le vif du sujet, voir le détail. Bon, il y a un petit délai de 20 secondes, donc. Là, j'ai eu le temps de boire et je viens de voir que vous avez juste reçu mon. Enfin, voilà, que je vous disais que vous pouviez poser des questions. Donc, je vous propose qu'on continue et vous posez vos questions au fur et à mesure si vous avez des incompréhensions. Et on verra tout ça en détail à la fin. Il y a un autre moment où enfin, je répondrai à toutes vos questions. Maintenant, on arrive dans la partie analyse détaillée. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que justement, on va passer sous la ligne de flottaison de l'iceberg qui est les systèmes de vente et on va aller voir la masse qui justement fait la différence et qui coule des Titanics, qui coule des bateaux massifs, qui permet justement de mettre en mouvement les acheteurs de façon rentable. Premier point, le trafic. Parce que bon, un tunnel de vente ou un système de vente qui n'a personne qui vient le voir, ça n'a aucun intérêt. Donc, premier point, comme je vous aviez avec la méthodologie, on va voir le trafic. Et on va commencer justement sur de la volumétrie. Combien de gens voient justement ce système de vente. Il s'avère qu'on arrive à voir ces chiffres. En décembre de cette année, donc en décembre 2019, il y a 87 000 personnes qui ont vu ce site. On voit que c'est en légère chute sur les 6 derniers mois. Bon, il s'avère que je le suis depuis un petit moment, ça oscille comme ça, il y a une saisonnalité. Donc cette chute n'est pas forcément alarmante, mais bon voilà. Donc c'est peut-être un produit qui commence à avoir été déjà beaucoup acheté. Donc il est en train justement de sortir un nouveau livre et ce qui va permettre justement de réactiver tout ça. On voit qu'il y a un taux de rebond qui est fort, mais en même temps, vu que c'est une page qui sert juste à acheter, c'est assez normal. Et pour une page qui ne fait que acheter, le taux de rebond est quand même très bon. On voit que du coup, les gens arrivent de deux façons principales, et c'est ce que je vous montrais sur le résumé tout à l'heure, soit directement, et il s'avère que il y a quand même l'accès au site, enfin l'accès au site ou avec l'appartement, donc ça veut dire tous les produits qu'on a achetés, qui se fait aussi sur cette page, donc ça explique en partie. Mais après, on a via les recherches, donc ça veut dire justement tout ce que je vous disais avec le bouche à oreille, avec éventuellement l'affiliation, les réseaux sociaux, ce qu'on verra aussi, et la publicité. On va creuser ça en détail maintenant. Justement, la partie recherche et la partie directe, c'est globalement du bouche à oreille. Et en fait, vu que ClickFunnels a une politique d'affiliation qui est quand même assez forte, ça veut dire que si vous vendez pour eux, ils vous rétribuent. C'est ça le principe de l'affiliation. Donc tout le monde, tous les marketeurs, ont tendance à facilement promouvoir ces produits-là. Et c'est ce qu'on peut voir, c'est que justement tout le monde parle de ce produit, qui d'ailleurs est très bon, hein, donc autant en parler. Tout le monde en parle et du coup ça va générer du trafic, à la fois en affiliation et à la fois en recherche, parce que si le lien est mal passé ou si voilà, il n'y a pas forcément l'occasion de mettre un lien, les gens vont chercher ça sur Google et on voit que tous les gens cherchent en fait le nom, la marque du livre, donc le .com Secrets. Et ça a quand même un impact qui est fort, c'est que 30% du trafic vient des recherches. 10% vient des réseaux sociaux, donc avec YouTube et Facebook. Et c'est sur ces recherches, il y a à la fois de la partie payante et de la partie organique. On va se pencher là-dessus, justement sur les recherches. Donc voilà à quoi ressemble, si on tape .com Secrets sur Google. Alors, restez avec moi, il n'y a pas besoin de le faire. Voilà ce que ça donne. On voit donc du coup, vu qu'il est répertorié sur ce qu'on appelle Google Shopping, il apparaît sur la droite, donc on peut l'acheter directement avec la plateforme qui a été mise en place par Google. Et on peut l'acheter sur Amazon, on peut l'acheter directement sur leur site. Et en fait, leur site, c'est .com Secrets. On voit qu'ils payent de la publicité pour être placés devant Amazon. Donc Amazon est déjà bien présent, et en fait, ils ont intérêt à juste le mettre entre vos mains, parce qu'on verra plus tard que c'est un outil d'évangélisation. Quand vous avez acheté ça, vous avez envie d'acheter le reste. Donc, quel que soit l'endroit où vous l'achetez, même si vous ne l'achetez pas en fait, si vous le trouvez en PDF, et d'ailleurs on voyait dans les recherches qu'il y en a certains qui le cherchent, si vous le trouvez en PDF, ok, ils ne font pas d'argent sur ce coup-là, mais ils en feront plus tard, donc ce n'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant sur cette partie recherche, c'est qu'ils payent de la publicité sur leur nom de marque, parce que en organique, ils arrivent après Amazon, ce qui est souvent le cas en fait, parce qu'Amazon est tellement bon que votre produit, s'il est sur Amazon, il va être mis vraiment en avant là-dessus. Et ce qui est intéressant à tirer là-dessus, c'est qu'en fait, s'ils payent de la publicité pour être devant Amazon, c'est que le coût d'être présent sur ce nom de marque
est tellement rentable, en fait, si ils rentrent chez eux, ça veut dire qu'ils vont capturer à la fois le prospect, ils vont récupérer vos informations si vous achetez chez eux, et ils vont aussi avoir plus de valeur. C'est ce qu'on voit dans la foulée, genre sur la partie offre. On va voir justement que si vous achetez sur votre site, il capture beaucoup plus de valeur que si vous achetez sur Amazon. Parce que bon, voilà. Et en plus, même sur leur site, le livre est moins cher. On verra qu'en fait, il est disponible à 15 euros, 15 dollars, 15 dollars en livraison en Europe, alors que sur Amazon, donc en livraison en Europe aussi, il est à 19. Donc en fait, c'est même limite intéressant d'acheter sur leur site. Et on va voir pourquoi. Ça, c'était pour les recherches sur Google. Il y a aussi justement une partie du trafic qui provient des publicités Facebook. Voilà à quoi ressemblent les publicités qu'on peut voir sur Facebook. On voit qu'elles ont quand même un point commun qui est que le texte est quand même assez court et toujours le livre est mis en avant. On vous offre un livre qui a l'air sympa, qui a l'air exclusif, qui a l'air plutôt bien fait et qui en fait est gratuit. Vraiment, tout le temps, on dit c'est gratuit et il est souvent poussé par des entrepreneurs à succès, par exemple Tony Robbins, qui est le mec le plus connu en développement personnel au monde, a écrit, donc on peut le voir sur cette pub-là, que voilà, a encouragé, a promu ce livre qui pour le vendre, en fait. Donc toutes ces pubs-là sont à différents moments. Par exemple, voilà, celle-là, c'est du retargeting, donc ça veut dire que le retargeting, c'est que les gens, enfin vous, si vous voyez cette pub, avez interagi avec lui, donc vous êtes allé sur votre site, sur son site, vous avez touché à une pub qu'il a mise sur Facebook. En fait, juste voilà, vous avez interagi avec lui, vous avez commencé à montrer un intérêt pour ce livre, et ben il vous lâche pas. Et il vous montre ce genre de choses, et il s'avère que ces pubs-là tournent depuis un moment. On voit que, par exemple, cette pub-là, elle tourne depuis le 21 novembre. 21 novembre, donc ça veut dire qu'elle est rentable. Concrètement, s'ils peuvent se permettre de l'utiliser pendant un petit moment, c'est qu'elle est rentable. Donc, retargeter avec cette pub pour l'instant. Donc, il y a un truc qui s'appelle l'ad fatigue, donc ça veut dire qu'elles vont ne plus l'être un jour. Mais pour l'instant, elle est rentable. Et il y a plein de pubs qui tournent depuis un bon moment, qui sont justement des moyens d'avoir du trafic qui vient sur ce site internet pour ensuite acheter le livre. Voilà d'autres exemples. C'est toujours la même chose. Peu de texte avec un contenu qui est exclusif, qui met le livre en plusieurs contextes. Je me rappelle à un moment aussi, j'avais vu une pub que je n'ai pas réussi à retrouver, mais où il est en train de brûler le livre. Donc voilà, toujours des choses qui ont pour objectif d'attirer l'attention. J'ai un message. Non, c'est bon. Donc voilà pour avoir une idée du trafic. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et en fait sur les différents lives qu'on va faire, on va creuser différentes parties, mais ce qui est particulièrement intéressant avec ce tunnel, c'est l'échelle de valeur. C'est l'ensemble des offres qui nous permettent justement de faire monter quelqu'un progressivement, en confiance, en engagement avec notre marque. Et c'est sur ça qu'on va passer le plus de temps. C'est là où j'ai le plus travaillé, parce que justement, sur ce tunnel-là, le plus intéressant, ce n'est pas forcément son acquisition. J'en ai trouvé un qui est incroyable, qui nous permettra de parler justement d'acquisition Facebook, et que je vous montrerai bientôt. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'offres. L'échelle de valeur est vraiment, vraiment intéressante. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré le schéma avec les différentes étapes des différentes pages qu'on peut avoir. À chaque fois, vous voyez que j'ai mis un bloc orange. Donc, je vais juste enlever ma tête pour que. Comment je fais ça? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez qu'il y a différentes étapes. D'abord, page de vente, on vend un livre et OB. Je vous explique ça tout de suite. Le livre, c'est entre 8 et 15 dollars. Et c'est justement ce qui est promu à chaque fois. Et c'est ça sur lequel on va avoir votre premier engagement. On vous vend le livre, on vous dit, vous voulez le livre, c'est le livre qu'on vous propose, c'est ça qu'on veut justement vendre. Une fois qu'on a votre approbation, donc ça veut dire que vous avez envie d'acheter le livre, vous commencez à vous engager, on a une vente en deux étapes et on verra ça sur la partie copywriting. Donc ça veut dire la partie vente, message de vente. Une fois que vous êtes prêt à justement acheter, là, on vous dit, ah ok, bon, on peut vous rajouter deux choses dans votre panier, des templates de tunnel, donc de tunnel de vente, donc ce qui vous proposera justement dans ce livre, de vous expliquer comment ça fonctionne, et
Le deuxième livre, donc le fameux Expert Secrets dont je vous parlais, et quelques bonus, une petite boîte avec différents autres fascicules, les deux étant à 37$. Ça veut dire que vous aviez accepté d'acheter un livre entre 8 et 15$, en fonction de là où vous êtes sur Terre. Et on vous dit, vous pouvez avoir plus de choses en augmentant un petit peu votre panier. Donc là, vous n'avez pas encore entré votre carte bancaire. Vous pouvez le faire avec une case à cocher, globalement, ou le même principe. Et ça va augmenter le montant que vous allez dépenser tout de suite. Ça, c'est la page de vente. Donc cette partie-là. Une fois que vous avez acheté, donc là, c'est validé, vous avez mis votre carte bleue, elle a été prélevée, vous venez d'acheter. Vous pouvez acheter un livre audio. Donc ça veut dire le livre audio du livre, en fait, juste le résumé, enfin en gros, le livre qui a été lu pour 47$. Mais ce n'est pas tout. Là où il est très bon, c'est qu'au-delà de ce livre audio, qui vous permettrait éventuellement de le lire dans la voiture, hein, bon, ça commence à faire cher, je trouve, mais en même temps, ça vous permet de ne pas avoir à dépenser le temps nécessaire pour le lire ou pour le consommer. À ce livre audio, il va rajouter 6 cours. Donc ça veut dire 6 bonus, qu'on verra tout à l'heure, pour cette valeur totale de 47€. Si vous cliquez sur le bouton, ils sont prélevés, vous aurez accès à ce qui vous est promis sur cette page. Que vous acceptiez ou non, vous arrivez ensuite sur un deuxième upsell. Donc on voyait que c'était une vente complémentaire. Cette vente complémentaire, c'est un accès de 12 mois à un cours en ligne qui s'appelle Traffic Secrets, qui est composé de 24 modules et qui coûte 300$, enfin 297$. Si vous acceptez, bon voilà, c'est terminé, vous avez un récapitulatif, vous recevez par mail toutes les informations qu'il vous faut pour accéder à la fois à votre compte et pour avoir la facture. Mais si vous acceptez pas ou si vous avez tendance à vouloir partir, là intervient un downsell. Donc ça veut dire une vente complémentaire moins chère. C'est le même produit, mais juste avec des facilités de paiement. Au lieu de payer 297$, vous allez payer 3 fois 97$. Ce qui, globalement, fait la même chose, un poil moins cher, mais vous obtenez la même chose avec quelque chose qui est du coup moins cher. Et ce qui est intéressant, non, on ne voit pas. Hein. Si, on voit globalement. Allez, on voit globalement, je vais remettre ma petite tête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres, justement, c'est là où je vous dis que j'agrège de l'information, il nous dit que pour avoir quelqu'un qui achète sur son site internet, il va devoir dépenser 20$. 20$ dépensés en acquisition, que ce soit de la publicité, que ce soit des commissions, enfin voilà, 20$. Et 20$ pour un livre à 14, enfin ouais, entre 8 et 14, qui coûte à la fois en impression, qui coûte à la fois en livraison, ça serait à perte. Il s'avère que ce livre est très bon pour vendre la suite, mais il perdrait de l'argent, du coup, avant que quelqu'un ait lu le livre et ait envie d'acheter la suite, ça serait un effort de trésorerie majeur. Et là où, justement, ce tunnel est très bon, c'est qu'avec ces ensembles d'offres complémentaires, à la fois avec les façons qu'il va avoir de présenter son message, ses différentes offres, il dépense 20€ pour justement avoir un acheteur, mais il va en faire 40$. Donc, ces 20$ dépensés en génèrent directement 40. Ce livre est que la première étape pour vendre la suite. Mais ce livre est rentable. Ce livre, vendre ce livre via Sunnel, est rentable. Ça veut dire qu'il peut dépenser 20$ pour vous faire de la pub pour que vous découvriez son livre et que vous l'achetiez. Là où, s'il avait un vulgaire e-commerce, là où s'il avait un vulgaire Amazon, même à 20$, il perdrait de l'argent, en fait. Avec la commission Amazon, avec plein de choses, il perdrait de l'argent. Ce tunnel permet de ne pas perdre d'argent. Et c'est exactement l'intérêt, l'importance d'un système de vente. On passe d'une acquisition à perte à une acquisition client profitable, et du coup, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente front-end. Donc ça veut dire en avant, sur les devants de l'entreprise. Ce tunnel de vente permet d'avoir une acquisition de prospects, ça veut dire juste en fait récupérer leur mail, et derrière on verra que il va alimenter la relation qu'il a avec nous pour qu'on puisse monter en engagement avec sa marque, donc soit à la lecture du livre, soit sur les emails qu'il va pouvoir avoir, sur les différentes interactions qu'on peut avoir avec lui, pour qu'on puisse continuer à acheter le reste, parce qu'il aura plein d'autres choses à nous proposer.
Donc voilà, globalement et synthétiquement, comment fonctionne justement cette échelle de valeur et l'intérêt d'avoir juste une échelle de valeur et non pas simplement un produit qui serait moins cher que les coûts d'acquisition. Et si vous pouvez dépenser que 7 euros, enfin 7 dollars pour avoir pour vendre ce livre, déjà il sera à perte à cause des frais, mais bah, il ne serait pas capable d'en vendre autant. Il ne serait pas capable d'avoir un empire qui a généré 100 millions cette année, enfin en 2019. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et du coup, donc on vient de voir que on passe de 20 dollars de dépenses à 40 dollars, ce qui fait 20, du coup 20 dollars de profit, hein, enfin, après paiement du coût d'acquisition par rapport à chaque achat. Si on récupère un petit peu les chiffres qu'on a récupérés tout à l'heure, on voit qu'on a 87 000 visites en décembre 2019. On va s'intéresser du coup à l'opposé des chiffres qu'on avait tout à l'heure, donc ça veut dire l'inverse en probabilité. Ce qui nous intéresse du coup, c'est le taux de non-rebond. On avait 81% de rebond, si vous revenez tout à l'heure, si vous vous en rappelez, on avait 81% de rebond, donc 19% de non-rebond. Ça veut dire des gens qui vont faire une deuxième étape, enfin une deuxième action sur le site internet avant de partir. Le rebond, c'est j'arrive sur la page et je m'en vais. Ils vont faire une deuxième étape, donc ils vont faire une deuxième action, donc ils vont aller voir une deuxième page. 19% des gens voient une deuxième page. Et on a 56% des gens qui sont du trafic non direct. Donc si vous vous rappelez aussi, on avait 44% du trafic qui était direct, c'était sur le graphique, la barre de gauche. Donc voilà quelques chiffres qui vont être utiles. Là, on va faire une petite hypothèse. Quand on regardera la page de vente, donc la page d'accueil du site, c'est la page de vente du livre. Et sur cette page, il n'y a que deux actions qui sont possibles. C'est soit se connecter pour accéder à son espace membre, soit acheter. On va supposer que tous les gens qui viennent sur cette page directement sont des gens qui veulent accéder à leur espace membre. Donc, soit récupérer leur livre audio, soit voir le livre ou avoir des informations complémentaires. Enfin, bref, des non-acheteurs, des gens qui ont déjà acheté et qui sont des membres et qui veulent juste se connecter. Mais ceux qui ne viennent pas directement n'ont pas de raison de ne pas venir directement. Et donc on va dire que tous ceux qui viennent autrement que directement et qui n'ont pas rebondi, ont acheté. Donc ça veut dire que si on fait un petit calcul avec enfin avec cette hypothèse-là, on a sur les 87 000 personnes 19% qui n'ont pas rebondi, des 56% qui sont arrivés de façon pas directe. Et de ces 87 000 personnes, on passe à du coup à 9 256 acheteurs. Ce qui fait 185 000 de profit avec 20 dollars de profit par acheteur. Donc de profit. Ça veut dire qu'on a déjà enlevé à ça les coûts de publicité pour vendre ce produit qui n'est franchement pas le produit principal. On verra ça dans la suite et ce sera le sujet du live suivant. Justement, de comment on fait pour en fait rendre ces 185 000 dollars ridicules par rapport à tous les profits qu'il peut faire sur la suite du système. Et c'est ça l'intérêt en fait d'un tunnel de vente qui rentre dans un système de vente, c'est que ce tunnel de vente génère des clients de façon rentable et qui seront ensuite exploités dans le système pour en faire en fait des clients qui sont encore plus rentables, avec une valeur long terme, ce qu'on appelle la LTV, qui est délirante et qui permet du coup d'avoir des entreprises qui croissent à une vitesse qui sont folles. Et sans prendre de risques, sans avoir besoin de lever de fonds, c'est tout l'intérêt de ce que je suis en train de vous raconter. Et c'est pour ça que ça me passionne aussi, accessoirement. Du coup, si on regarde un petit peu en détail les différentes offres, on va commencer par cette offre Free Plus Shipping. Donc, voilà à nouveau l'image du livre. Si vous regardez sur Amazon, il est à 19 dollars. Bon, Amazon, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est confortable, mais vu qu'en fait j'adore voir comment les gens s'y prennent pour vendre, je suis allé l'acheter sur le site. Et il s'avère qu'il y a deux choix, donc le 8 dollars ou le 15 dollars. Le livre est offert et c'est les frais de port qui sont à votre charge. Ce qu'on peut voir ici, hein, le livre est gratuit et c'est les frais de port qui sont payants. Hein. Donc là, j'avais mis que j'habite en France. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait voir. Ça, je vous en ai déjà pas mal parlé, et c'est la partie en fait émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a hors de l'eau, c'est le 10% qui ferait perdre de l'argent si on s'arrêtait là. Ce qui est intéressant du coup, c'est que juste avant ça, donc avant de mettre ma carte bleue, il nous propose soit d'acheter le fameux livre, donc ce qu'on peut voir ici, le Free Plus Shipping, donc le livre que je veux acheter, ou alors je peux upgrader et avoir donc plus de livres, donc ça veut dire le livre Expert Secret, plus le fameux livre que je voulais avoir, et quatre autres petits articles dont il ne parle nulle part ailleurs, et c'est l'occasion de votre vie d'avoir ce produit
Donc, au lieu de payer 15 dollars, vous payez 37. Il y a quand même les frais de port. Donc, en fait, c'est 37 euros de, enfin, 37 dollars de plus. À ça, on va rajouter une deuxième order bump, ce qui est assez inhabituel. Hein, mais là, il y en a deux, qui vous proposent d'avoir des exemples de tunnels de vente. Globalement, il en propose trois. On ne va pas rentrer en détail. Vous pourrez retrouver ça sur ici, là. En gros, il propose de vendre des exemples de ce qu'il va raconter dans le livre pour 37 dollars de plus. Donc là, on est déjà à quasiment 80 dollars. Si en fait, avant même d'avoir mis notre carte bleue, on est passé du 7 à 80 dollars. Enfin, en fait, on est passé même du gratuit à 80, 80, 90 dollars sans avoir même commencé à faire vraiment grand-chose. Avant même d'avoir payé. Je ne les ai pas pris. Mais voilà, c'est en fait, ça augmente le panier moyen, ou ça, en tout cas, ça rend potentiellement possible l'augmentation du panier moyen. Premier upsell. Donc là, on arrive, là, franchement, c'est tentant. Ce livre est, a priori, on ne le sait pas, mais il est bon. Du coup, j'aimerais bien pouvoir le consommer dans mon voiture, en vélo, en fait, dans ma douche, là où j'ai un temps mort. Et c'est l'intérêt du livre audio, donc de l'audiobook. Cet audiobook, pourrait le vendre, mais pas 47 dollars. C'est pour ça qu'il va augmenter cette valeur, donc ça veut dire faire diminuer le ratio qualité-prix, donc coût-prix, en augmentant et en rajoutant des bonus. On peut voir que du coup, il y a 6 bonus, qui sont des cours, des interviews, et qui, pour tout ce paquet, avec la page de vente qui correspond, vous le vend pour 47 dollars. Ce qui, encore une fois, augmente le panier moyen potentiel. Là, vous avez déjà payé. Et vous pouvez rajouter ça à votre commande en un simple clic. C'est à nouveau la puissance d'un tunnel. Si vous, enfin que vous l'achetiez ou pas, d'ailleurs, vous arrivez sur la page d'après qui vous propose un autre produit complémentaire. Donc, c'est, vous avez envie d'avoir un système de vente qui fonctionne bien, il vous donne un livre qui vous l'explique. Si vous voulez, vous pouvez même l'avoir en format audio. Et après, vous arrivez sur un cours qui vous explique comment avoir des gens sur votre site internet. C'est rarement le problème. Mais ça peut l'être, et en tout cas, c'est un problème qui est visible et du coup qui intéresse les gens. Donc, il y a un cours qui s'appelle Traffic Secret, c'est le cours qui vend, bon, qui est quand même un petit peu vieux maintenant, mais qui est le cours qui vend, il le vend pour quasiment 300 dollars, ce qui est plutôt cher. On a quand même une montée qui est, bon, pas, il y a pire hein, dans ces systèmes de vente, mais qui est montée quand même assez rapidement. On avait prévu d'en dépenser 8 dollars et on arrive à un produit qui peut être à 300. Certaines personnes achètent, hein, il s'avère qu'on verra sur certains tunnels avec des chiffres quel pourcentage, mais certaines personnes achètent, en fait, du coup, ça fait augmenter le panier moyen, ce qui permet d'augmenter la valeur par client. Si vous pensez que ça, enfin, si vous achetez, bon, voilà, ça sera terminé. Si au contraire, vous trouvez que c'est un petit peu cher, il est très fort, parce que si vous dites non, hop, il vous propose le même truc qu'il n'aurait pas proposé si vous aviez dit oui, donc pas de rancœur, mais il vous propose le même truc, moins cher, enfin, au même prix, mais du coup moins douloureux parce que vous pouvez le faire en trois paiements. Donc ça veut dire trois fois pendant 3 mois à 97 dollars. La même chose avec une facilité de paiement. Donc, ça veut dire bah, améliorer, enfin, fluidifier justement le passage à l'action sur ce trafic. Voilà globalement l'offre. Elle est assez fascinante et elle est assez intéressante justement pour commencer à comprendre que c'est qu'une offre qui fonctionne bien et du coup une offre qui est assez scolaire, assez admirable en fait. Et qui permet de faire passer d'un panier moyen qui aurait été de 15 dollars, ou enfin, allez, 8 dollars, s'il y a beaucoup, quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent des États-Unis, donc 8 dollars pour juste les frais de livraison, à 40 dollars. On est quasiment à un fois 5 sur le panier moyen des utilisateurs. Donc fois 5. C'est ça la différence. C'est ça tout l'intérêt de justement cette échelle de valeur et ce tunnel de vente. Et là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir justement comment il fait pour comment il fait pour nous convaincre d'acheter à chaque étape un peu plus cher, de nous engager de plus en plus sur une interaction qui est quand même relativement courte, donc juste une visite sur un site internet. Là, typiquement, on aurait pu claquer jusqu'à 430 dollars à peu près. On arrivait pour un truc gratuit, 430 dollars plus tard, on a tout ce qu'il faut pour remplir une maison. Et c'est ça qui fait que bah, le panier moyen passe à 40 dollars et non pas à zéro avec de la perte sur 20 dollars de coût d'acquisition. On va repartir, donc on va revoir les différentes étapes du tunnel, mais maintenant, pas sur la partie offre, on va voir ça sur la partie
message de vente. Et en fait, ce message de vente est très bon. Parce que là où il nous disait, bon là, vous allez avoir un livre gratuit, il met en évidence derrière que c'est, il faut payer les frais de port. Et même sur les publicités, il le dit juste, payer les frais de port. Mais sauf que le gratuit, ça a un impact très fort sur les cerveaux des gens, c'est que les gens adorent le gratuit. On peut voir qu'il y a une expérience, et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo plus tard, mais que si on met quelque chose à 1 centime ou gratuit, on va avoir un comportement qui est complètement différent. Et le centime près peut complètement changer la façon qu'ont les gens de se comporter. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Du coup, si on reprend un petit peu cette page de vente, là, donc qui est la page de vente principale, que vous pouvez voir avec, si vous allez sur le site, hein, vous pourrez regarder ça après, on commence par une preuve sociale. Ça veut dire qu'il y a 267 000 personnes qui ont acheté le livre. C'est un best-seller. Voilà. Genre, faites confiance, les autres l'ont fait, c'était génial. Tout le monde se l'arrache, vous l'avez aussi, preuve sociale. On insiste encore une fois, hein, comme sur toutes les autres pubs, que c'est gratuit. Avec l'usage de l'autorité, hein, qui est à nouveau le Tony Robbins, qui est quand même un des gars les plus connus et les plus influents sur Terre. Si vous ne le connaissez pas, c'est le gourou en développement personnel, c'est quelqu'un qui arrive à faire passer, marcher des stades entiers de personnes sur des flammes, enfin sur des braises. C'est assez impressionnant. Et du coup, Tony Robbins a utilisé justement sa notoriété pour écrire un commentaire sur le livre et disant bah, « il vous le faut concrètement ». Avec du coup ensuite une commande en deux étapes. Donc ce qu'on peut voir sur la suite, et on verra ça sur la slide juste après, ça c'est la première étape, c'est en gros vous demande votre nom et là où il faut l'envoyer. Après seulement, on vous demandera votre carte bancaire. Donc ça veut dire que si vous arrêtez là, parce qu'en fait vous n'aviez pas forcément fait attention, vous n'avez pas vu que c'était payant, vous n'avez pas votre carte bancaire, et vous pensiez que ça allait passer, enfin, quelle que soit la raison, ça permet de capturer du lead. Donc ça permet de capturer justement votre adresse email qui lui permettra de vous dire « Ah ok, salut Bertrand, tu n'as pas encore acheté ton livre, j'ai vu que tu l'avais rempli, voilà, termine ta commande pour que je puisse te l'envoyer directement. » Cette commande des étapes augmente le nombre de personnes qui vont permettre de le voir. On voit aussi qu'il y a une flèche, donc ce qu'on peut voir en bas de l'écran à droite, là, ici, qui permet de dire aux gens, hop, regardez là. On verra, je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus, c'est que orienter le visage, enfin orienter un humain qui regarde quelque part, ou alors mettre des flèches, ça permet d'orienter l'attention des gens. Et en orientant l'attention des gens, ça permet d'améliorer les conversions. Je pense qu'on fera quelque chose là-dessus. Et tout cet univers qui est relativement secret, on voit une vidéo là, donc cette partie-là, c'est une vidéo où on voit Russell avec un univers un petit peu secret, un petit peu solennel, qui dit « Ah, dot-com secret, tout ce que les entrepreneurs ne veulent pas vous dire. » Donc voilà, un univers qui est assez cohérent et qui est plutôt bon pour vendre ce bouquin. On voit plus tard du coup que c'est une approche qui est orientée problème. Là, on est sur des leads qui sont complètement froids. Et en fait, les gens n'ont pas en fait connaissance à la base que ce livre existe, que c'est la solution ultime, et du coup il faut quand même leur rappeler que ils ont des problèmes, ça marche très très bien en copywriting, c'est très classique, ils ont des problèmes, et ce qui leur permet du coup de se rappeler qu'ils ont ces problèmes, donc ce qui permet du coup de les réchauffer, et de leur dire vous avez ces problèmes là, et moi j'ai la solution. Donc leur faire voir que justement vous avez exactement ce qui correspond à le problème qu'ils ont. On vient de leur rappeler, et c'est exactement ce que vous proposez. Ils commencent par dire qu'il n'est pas comme les autres. Il y a beaucoup de gens sur le marketing, et en fait, ce livre est différent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir, pourquoi tout ce que ça n'est pas. Avec le problème, ils rappellent que c'est gratuit, à nouveau avec des flèches. Une urgence, donc ça veut dire passer à l'action rapidement, parce que sinon, vous allez passer à côté. Un peu limite quand même, parce que bon, concrètement, cette offre est là depuis longtemps. Donc peut-être qu'elle disparaîtra, hein, mais pour le coup, c'est quand même bien rodé, elle est là depuis vraiment longtemps, donc ça c'est limite, ça c'est franchement limite. Mais du coup, en dessous, on a des différents témoignages qui me font encore de la preuve sociale, et qui permettent justement de mettre en contexte et de montrer que effectivement, les 220 000 achats potentiellement existent, et on met le livre dans les mains de certaines personnes qu'on peut le voir ici. Encore de la preuve sociale. Cette page est assez longue, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs sur des pages de vente, beaucoup d'exemples, voire que le livre comprend énormément de choses, avec
Donc une colonne avec vous pourrez trouver ça, 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 ça. Donc on peut voir partout des témoignages avec des boutons qui sont toujours verts qui proposent d'acheter le livre. Des exemples qui sont tournés vers les résultats. Tout ce qu'on peut voir, du coup, c'est toujours à chaque fois, vous allez pouvoir accomplir ça, vous aurez accompli ça grâce au livre. Vraiment, vraiment mise en situation, ce qu'on appelle le future pacing. C'est comment faire pour que notre client, notre prospect, s'imagine dans la situation ultérieure, dans sa réussite, pour qu'on puisse justement lui faire voir ce moment résultant et du coup, ce qui l'achète, en fait, c'est le résultat. Donc là, on en a partout, hein, concrètement, avec justement des mises en forme, le livre, pour qu'on puisse l'imaginer qu'on le touche, l'intérieur du livre qui est illustré et des commentaires Amazon. Donc pour justement rassurer, il existe sur Amazon, les gens sont contents, preuve sociale. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent amener à quelques petits questionnements. Et là, il va lever les objections. Non, c'est pas trop beau pour être vrai, et plutôt que de laisser un hasard, donc laisser partir les gens en leur disant, en ayant potentiellement des objections, donc se dire « Ah ouais, mais non, mais il y a une douille ben ». Bah non, il va proactivement répondre à ces objections. Et il s'avère que il explique, on y croit, on n'y croit pas, mais il explique pourquoi il offre ce livre. Bon, il ne l'offre pas vraiment, hein, on doit quand même payer pour l'obtenir, mais du coup, il l'explique pourquoi, et en fait, il explique ouvertement, assez transparent, que en achetant ce livre, vous allez acheter tout ce qu'il va vouloir faire derrière. Et du coup, c'est à la fois authentique, et moi, je vous avoue que ça m'a quand même beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé le message, et je trouve que c'est plutôt sympa, et donc, de toute façon, répondre aux objections, j'avais fait une vidéo là-dessus quand je rentrais de Vienne, sur justement, le gars avait absolument toutes les réponses à toutes mes objections, et si vous ne répondez pas aux objections des gens, ils n'achèteront pas, parce qu'ils auront quelque chose qui leur dit « Ah ouais, mais ça, j'ai pas la réponse », et ils s'en vont. Et en fait, s'ils s'en vont, c'est perdu. Pour les récupérer derrière, c'est extrêmement coûteux. Donc autant déjà réfléchir à ces objections et les lever, concrètement. Donc, c'est ce qu'il fait sur cette partie-là de la page, qui est du coup un peu plus bas sur la page de vente de l'accueil du site. Enfin, on résume, il n'y a aucun risque parce qu'il y a une garantie. Ça veut dire que si le livre ne vous plaît pas, il vous le rembourse et il vous le permet de le garder. Il me semble que c'est ça, hein, de mémoire. Il rappelle que c'est une offre limitée. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais bon, voilà, il le rappelle, il le met vraiment en évidence et il résume tout ce qu'il vous propose. Donc, ça veut dire avoir le livre gratuitement en payant juste les frais de port. Et il vous permet de cliquer sur ce bouton et ça vous ramènera au formulaire qui est en haut et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, globalement, au pire, voilà, concrètement, au pire, vous retrouvez avec un livre chez vous et il vous rembourse. Donc, il aura perdu de l'argent, c'est franchement une garantie qui est, voilà, c'est est-ce que vous allez y croire? Je pense qu'ils le font vraiment, ils sont vraiment honnêtes, je pense. Mais du coup, voilà, c'est au pire, vous avez récupéré vos 15$ et vous avez un livre en plus qui ne vous intéresse pas, ou vous pouvez jeter, ou vous donner, ou que sais-je. Donc, pas de risque. On a quand même fait un tour assez holistique de différentes objections. C'est plutôt bon. Et là, il ne vous reste plus qu'à remonter. Donc, on vient de remplir les informations, parce que je suis assez tenté d'acheter ce bouquin. Je viens de remplir mon prénom, mon nom, mon adresse. Et là, on arrive justement sur la deuxième partie de ce formulaire en deux étapes, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me permet donc, de remplir mes identifiants de carte bleue, ici, et de choisir donc les order bump dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec toujours la vidéo que je vous montrais, donc il y a un différent moment auquel il a rajouté des commentaires de Amazon pour justement vous enlever toutes objections en disant ouais, en fait, vous êtes bien lancé, continuez parce que les autres le font aussi. C'est à nouveau de la preuve sociale, de la rareté et de l'urgence, c'est pour que c'est une offre absolument exceptionnelle, vous ne la trouverez nulle part ailleurs sur le site. Donc prenez-la maintenant et c'est un deal en fait. Donc, c'est vraiment l'order bump, c'est le paquet de chewing-gum du tunnel de vente. C'est ce qu'on peut trouver aux caisses. Les chewing-gum, c'est genre juste tu tends le bras et puis ça augmente ton panier et puis voilà. Voilà, on vient d'acheter, félicitations, on vient d'acheter le livre. Et là, on arrive sur le premier upsell. Donc le premier upsell, pour rappel, c'était justement le livre audio.
On vous épargne la totalité de la page, mais voilà ce qu'on trouve à la fin, ce qui est le résumé justement de l'offre. Donc, le livre audio hein, qui est là et auquel il affiche une valeur pour justement, en fait, bah voilà, si vous achetez maintenant, normalement, il vaut 97 balles. Mais si vous l'achetez maintenant, il est pour tout ça que à 47 dollars. Donc, vous obtenez tout ça qui ont différentes valeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'ancrage. C'est même si je vous dis attention, enfin, choisissez un chiffre entre 1 et 1000. Moi, je prends 50 000, mais choisissez un chiffre. Attention, en ayant donné enfin, ce chiffre-là, 50 000, j'ai biaisé vos choix. Donc, faites attention à ne surtout pas faire attention à mon chiffre quand vous allez choisir le vôtre. Eh bien, il s'avère, si on regarde du coup avec une approche scientifique, des gens à qui je donne ce chiffre et des gens à qui je ne donne pas ce chiffre, bah, il s'avère que même si je vous ai dit qu'il y a un effet d'ancrage qui est possible, eh bien, vous allez choisir un chiffre qui va être plus haut que si je ne vous avais pas proposé mon chiffre. Eh bien, c'est exactement le même principe ici, c'est qu'en mettant 97 dollars, on choisit, enfin en fait on ancre la valeur dans l'esprit des gens, même s'ils savent que ce n'est pas le cas, en fait ça ancre quand même, et du coup ça permet du coup d'avoir un écart entre la valeur totale, qui est ce qu'on appelle le offer stacking, donc ça veut dire qu'on n'est pas juste le fameux livre audio, mais un ensemble de produits, donc là des bonus, des cours, pour justement améliorer le ratio valeur-prix avec l'ancrage. Donc c'est ce que je viens de vous dire. On vient d'acheter ou pas hein, ce livre audio, et là on arrive du coup sur la page de vente du cours. Donc je vous épargne tout le reste à nouveau, on est sur le résumé. Donc on a 24 cours, donc on peut voir avec quand même beaucoup d'iPad, je pense que c'est ça, et une boîte donc, qui est bien mise en valeur. Attention, arrêtez-vous, avec quand même un truc pour nous garder en éveil. Parce que l'idée, c'est de garder justement les gens en éveil pour qu'ils continuent à se sentir dans ce processus d'achat. Si vous achetez ça maintenant, vous économisez 90% et c'est simplement 300 dollars tout de suite, avec un compte à rebours qui crée à nouveau de l'urgence. Voilà. Donc on est sur de la vente impulsive. Et en fait, l'idée de ça, c'est d'être capable de différencier qui sont les acheteurs compulsifs de ceux qui sont modérés. Et ce qui du coup permettra d'avoir des stratégies de vente derrière qui sont différentes, donc d'interagir avec eux différemment dans notre système. C'est extrêmement important de justement qualifier l'intérêt que vont avoir les gens dans notre système. Là, franchement, j'étais pas prêt. Donc j'ai essayé de partir, j'ai cliqué sur le nom, et bam, pop-up qui apparaît. Simple pop-up, hein, il m'a déjà fait sa vidéo de vente. Donc, juste un résumé, et juste ce qui change, c'est la modalité de paiement. On passe de 297 dollars à 3 fois 97. Là, c'est un pari. Ceux qui ne l'achètent pas risquent du coup de pouvoir acheter celui-là. Ah, ok, 97, ok. Donc, deux choix, j'achète ou j'achète pas. C'est son dernier espoir, parce que de toute façon, sinon, ça passait à côté. Et c'était globalement l'offre totale, enfin le copywriting du système. Et maintenant, on va s'intéresser aux outils. Les outils sont assez simples. En fait, ils utilisent les outils qu'ils vendent. Sur Dotcom Secrets, qui est le premier point d'entrée pour le ClickFunnel, ils utilisent ClickFunnel avec Axonetics pour la partie email et Backpack pour la partie affiliation, et qui est connecté avec leur compte Stripe, qui permet justement de récupérer en fait les paiements, quoi. Donc voilà globalement les outils qu'ils utilisent. Et avec ça, ils ont réussi à faire le tunnel que je vous ai proposé, que je vous ai montré. Mais qu'est-ce qui se passe après ce tunnel en fait? Quand on rentre dans leur système, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, on a une séquence de mails. Donc on commence par un mail qui nous dit: Ah, bon les gars, voilà, merci d'avoir acheté. Vous pouvez faire des choses avant même que votre livre arrive. Donc je ne l'ai pas encore envoyé, hein, mais voilà ce que vous pouvez faire. Et là, du coup, il va nous faire arriver, enfin, il va nous faire nous engager dans son système. Vous pouvez aller sur votre espace membre, vous pouvez aller sur un groupe Facebook, vous pouvez aller sur une autre vidéo qui vous permettra de me voir, et ce qui permet du coup de gagner, enfin, en fait, de faire monter les gens progressivement en engagement, en confiance, avec Russell, avec ClickFunnel. Et derrière, ben, voilà, de les chauffer, comme on appelle dans le milieu, pour qu'ils deviennent des clients récurrents. Et là,
une fois qu'il envoie son livre, enfin, une fois qu'il a effectivement envoyé le livre, il nous le dit pour vraiment, en fait, justement, à la fois nous tenir informés, nous créer du lien et d'éviter qu'on aille voir, en fait, son support client et du coup de réduire les coûts de gestion derrière de la relation client. Et c'est pas tout. Parce que, du coup, on reçoit un livre à la maison et le paquet ressemble à ça. Bon, là, c'est pas exactement le paquet de .com parce que j'ai oublié de prendre la photo, mais c'est le paquet d'Expert Secret. Et il était exactement pareil. Un gros stop. C'est assez marrant, en fait. C'est assez inhabituel. Ça change des paquets d'Amazon où il y a juste écrit Amazon ou juste des trucs. Là, j'avais reçu un clavier qui était emballé dans n'importe quoi, d'ailleurs. Ça change. Et du coup, là, en fait, juste avant d'ouvrir votre paquet, il y a quelque chose d'autre à faire. Il s'avère que je ne vous ai pas laissé le numéro parce que c'est pas important, mais on peut appeler un numéro ou envoyer un message à ce numéro-là. Et il s'avère que si on... Je vais passer trop vite. Il s'avère qu'on peut voir, et je pense que je vous en parlerai un de ces jours, c'est que une fois qu'on envoie un paquet chez la personne, c'est aussi une occasion pour lui vendre quelque chose. C'est aussi une occasion, par exemple, pour que lui offrir un bonus supplémentaire en échange d'un appel. Et derrière, il y a une équipe de commerciaux qui peuvent le prendre au téléphone et lui proposer quelque chose de complémentaire qui peut l'intéresser et du coup d'avoir quelqu'un au téléphone pour lui offrir ce qu'on lui a proposé et lui vendre quelque chose de complémentaire. Et ce qui permet du coup d'augmenter ça peut augmenter jusqu'à 3 fois. Et c'est ce qu'on peut voir sur un des tunnels de Russell. Je pense que je vous en parlerai un de ces jours, peut-être dans une autre vidéo. On peut augmenter jusqu'à 3 fois la valeur d'un client, justement en l'incitant sur un paquet qu'on lui envoie à nous appeler, à appeler un standard qui va justement le faire monter à nouveau en engagement, en confiance et à mieux répondre à ses besoins. Donc voilà, classiquement, sur son paquet, il y a un call to action, ce qu'on appelle, donc ça veut dire un engagement, enfin, il nous incite à nous engager encore plus avec lui. Et c'était assez marrant. Donc voilà à quoi ressemble le paquet. Et en fait, ce livre s'arrêter à ce film-là, ce serait que 10% du travail. Parce que oui, c'est rentable. Oui, on passe de 1 euro de dépense en publicité à 2 euros de dépense. Donc peut-être qu'il arrive à faire, je ne sais pas combien ça coûte d'imprimer un livre comme ça et de l'envoyer à l'international. Mais il fait un petit peu d'argent. Mais est-ce qu'on a envie de s'arrêter à du 5% de marge dans une entreprise? Franchement, non. Ce livre est très bon parce qu'il va vendre la suite. Vendre la suite pour qu'on achète un deuxième livre, pour qu'on achète un entraînement, pour qu'on achète une formation, pour qu'on achète son outil. Et son outil, il est franchement cher. On est entre 100 et 300 euros au dollar par mois. Et du coup, c'est un logiciel, donc c'est quand même assez peu coûteux derrière. Bon, il y a énormément de temps humain, hein. Mais du coup, il y a une forte rentabilité et surtout avec un effet d'échelle qui est assez intéressant. Et c'est ce qu'on va voir pour pas que ce live dure 10 ans. Je l'ai décomposé en 2 parties. Aujourd'hui, on regarde en détail le .com secret qui est clairement la clé pour avoir des clients rentables. Mais en fait, juste ce livre, il a pour objectif de ne pas perdre d'argent pour refaire massivement derrière. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Et là, ce qu'on a vu, c'est un tunnel. Et ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est un système. Et c'est ça qui permet à Russell de construire justement un empire qui lui permet de valoir 40 millions pour l'instant et qui a permis de passer de 0 à 100 millions de dollars en une seule année en 5 ans. Ce livre-là, du coup, c'est une des clés qui lui permet ça. Donc, vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez l'acheter sur son tunnel, mais vous pouvez aussi le pirater, vous pouvez le demander à un copain, vous le trouver en librairie. Ça lui est égal. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas très regardant sur toutes les copies PDF qu'on peut trouver partout. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais commencé, pour voir un petit peu s'il était intéressant et l'avoir rapidement. J'avais trouvé en PDF. Et en fait, derrière, j'ai voulu l'acheter pour justement préparer ce live pour vous. Du coup, même si on le trouve en PDF, OK, il ne récupère pas net 2 dollars peut-être, après avoir géré tous ses coûts et son coût d'acquisition. Mais il évangélise. Et derrière, vous allez acheter autre chose. Peut-être même acheter le livre, parce qu'il est pas mal. Moi, j'aime bien l'avoir sur ma librairie, juste pour le principe. Donc, c'est très bon. Il est partout, et il a intérêt, même si vous ne lâchez pas, à être partout. On arrive globalement
au moment de la synthèse, à voir comment vous pouvez faire pour justement synthétiser tout ce que je viens de vous dire et l'appliquer à votre entreprise rapidement et potentiellement dès ce soir si vous êtes des gens qui restent tard à travailler sur votre entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça pour améliorer votre système? Parce qu'on a tous un système. Soit on a un système qu'on ne connaît pas, qu'on conçoit inconscient, et du coup, ce n'est pas forcément un bon système, ni qu'on mesure, ni qu'on a bien mis en place. Mais on a tous un système. On a tous un ensemble de procédures qui nous permettent de vendre ou pas bien vendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer le vôtre? Eh bien, en fait, vous pouvez construire différentes étapes dans votre système. Ce qu'on appelle du coup l'échelle de valeur, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin de vendre votre produit principal tout de suite pour développer votre entreprise. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui pourrait intéresser vos clients, qui pourrait être complémentaire, moins cher que votre produit phare? Et en fait, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez justement penser à quel produit, service, formation vous pourriez créer pour éduquer votre marché à l'usage de votre produit, à l'envie de votre produit, aux besoins de votre produit, de votre service. Est-ce que vous ne pourriez pas penser à les réponses à leurs questions qui permettraient derrière de leur donner envie d'acheter votre cœur de métier, votre cœur de cible? Et ça, cet intérêt, en fait, c'est que ce produit-là pourrait permettre d'éduquer votre marché et vous avez tout intérêt à le mettre dans les mains de vos prospects et vous n'avez pas besoin de faire de l'argent là-dessus. L'objectif, c'est ce qu'on appelle faire de l'octo-liquidation, ça veut dire de rembourser les frais d'acquisition client. Derrière, son objectif, c'est justement de créer des clients qui vont avoir envie de vous acheter et dans l'idéal, d'en faire des fanatiques qui parleront de vous et qui achèteront tout ce que vous avez à proposer, donc vos produits, vos services. Et ça nous amènera à un petit bonus en surprise. Parce que ce n'est pas fini. On vient de voir du coup que Dotcom Secret, c'était la première partie de ce système. Dotcom Secret, c'est que la façon d'avoir des prospects, des clients qui soient rentables. Donc ça veut dire que là, on vient de récupérer des gens qui nous ont achetés, donc ça veut dire qu'ils sont déjà clients chez nous, mais qui n'ont pas encore acheté vraiment tout ce qu'on peut proposer. Et là, vous pouvez voir un exemple de ce qu'il y a à proposer, et c'en est qu'une partie. Il y a d'autres livres, il y a des logiciels, il y a des masterminds, il y a des marketplaces, il y a des formations. C'est vraiment très large. Donc on va pas parler de tout même la prochaine fois, hein, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout savoir, mais on va voir justement comment cet ensemble s'organise pour vraiment avoir une progression, donc on vient de voir l'échelle de valeur de ce tunnel-là, mais avoir une échelle de valeur sur l'ensemble du système. Ça veut dire que ce qu'on vient de voir là, c'est que la pointe de l'iceberg. On vient de voir déjà un truc qui est caché pour le reste du monde, mais qui en fait, sur ce système-là, qui permet de faire 100 millions par an, et qui est en croissance très rapide, qui est qu'une petite partie. Et pour voir la suite, je vous invite, comme vous pouvez le voir à droite, le 6 février, donc ça veut dire dans 3 semaines, à 18h, donc comme ce live aujourd'hui, sur YouTube, vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous voyez là. Vous pourrez donc du coup sur ce lien mettre votre mail et je vous tiendrai au courant des prochains lives pour que vous n'ayez plus, pour que vous ne le manquiez pas. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur amauryduval.com/calendrier. Ça vous permettra d'être tenu au courant de tout ce qu'il faut au niveau des lives. Et ne pas louper justement comment en fait ils ont construit une entreprise qui vaut des centaines de millions et comment il a pu accumuler à titre personnel 40 millions de dollars. Et comme je vous ai promis au tout début, c'est le moment du cadeau. C'est le moment de la surprise. La surprise, c'est justement tout ce que je vous ai présenté, plus quelque chose. Tout ce que j'ai fait là, ça m'a pris des semaines de recherche. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui gratuitement, c'est de le télécharger en un seul clic. Il vous suffit de vous rendre sur le bouton que vous voyez en dessous là, donc re-rentrer ça sur votre adresse, dans votre navigateur. Vous allez là-dessus, vous me donnez votre mail, et moi je vous envoie tout ça, donc ça veut dire à la fois, en gros, la présentation que je viens de vous montrer, donc vous avez directement la présentation sur votre mail, vous pourrez la revoir rapidement, la reparcourir complètement. Vous aurez justement la synthèse que vous voyez à droite du tunnel, pour pouvoir avoir ça
un clin d'œil. Vous aurez chacune des pages du tunnel pour vous inspirer si vous voulez faire vos tunnels suivants. Et en plus, je vous mets une feuille bonus, une feuille de travail avec quelques points qui sont importants que vous devez vérifier dans votre entreprise et les questions que vous pouvez vous poser à la suite de ça, à la suite de ce live, pour justement appliquer tout ça à votre entreprise et aller plus loin concrètement. Tout ça, c'est gratuit, il suffit de vous rendre sur ce lien. Je vous l'envoie directement par email, sous 48 heures, là, globalement, le temps que vous soyez tous allés sur ce lien. Je vous envoie tout ça par email et vous aurez tout ce qui vous permettra. Vous avez globalement donc toutes les informations que je vous ai montrées, plus un petit document de travail. Ça pourra vous prendre le temps que vous y consacrez, mais en une demi-heure, franchement, vous avez fait un bon point sur justement votre offre. Et c'est quand même un des points super importants. Et on verra sur les autres lives ce qu'on peut faire comme petite feuille de travail qui justement vous demande peu d'efforts, peu de travail, mais qui vous permet de prendre vraiment beaucoup de hauteur par rapport à votre entreprise et comment vous pouvez faire pour l'améliorer. Donc ça, c'est mon cadeau pour les fidèles, les quelques personnes qui sont toujours en live avec moi, et vous êtes plusieurs, hein, je vois que vous êtes encore 6 en live, c'est vraiment cool, vous êtes monté jusqu'à un petit même 7. Donc voilà, tous ces gens-là, pour vous remercier, n'hésitez pas à aller sur ce lien, sous 48 heures, je vous enverrai tous ces bonus. Donc inscrivez-vous, et je vous tiendrai aussi au courant de tous les lives à venir. Donc voilà l'adresse, notez-la bien. Et puis, si vous oubliez, bien sûr, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis très content de parler de tout ça avec vous. C'est un vrai sujet qui me passionne. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, en bas de la vidéo, vous pourrez retrouver le lien pour aller directement à cette page-là, pour avoir vos bonus. Donc, sous la vidéo, là, vous pouvez le trouver même en description. Donc, si vous n'avez pas envie de le recopier, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo. Je pense que ça marche. Laissez-moi juste regarder un instant. Et... si vous allez dans la description, et oui, c'est ça, ça marche. Donc, vous avez obtenu tous vos bonus gratuits et l'adresse. Il suffit de cliquer, vous rentrez votre adresse et on est parti. Vous aurez tout ça et ça vous permettra d'avoir justement de pouvoir tirer le meilleur de ce live et d'aller encore plus loin et de l'appliquer à votre entreprise. On arrive à la fin du live. On est à 1h15. Je suis franchement content que vous soyez encore 7 avec moi. C'est le moment, si vous avez des questions, je vous propose encore de rester quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis très heureux d'y répondre. Si vous avez besoin de plus de précisions, si vous avez envie de revoir un sujet en particulier, un point en particulier, s'il y a un truc qui n'était pas forcément clair, que vous voulez éclaircir, vous avez des retours à faire là-dessus, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis sinon, il me restera à vous souhaiter une bonne soirée allez vous inscrire sur le lien que vous voyez en dessous pour avoir tous les détails que vous allez pouvoir valoriser derrière sur votre entreprise pour en tirer le meilleur et puis pour justement aller plus loin encore et puis être informé justement du prochain live qui permettra de comprendre cette vue totale qui est le système ClickFunnels et qui lui permet de générer autant d'argent sans avoir même levé de fonds. Donc c'est assez impressionnant. Écoutez, on va attendre encore quelques instants, peut-être une minute. Si vous avez des questions, ça se passe dans le live, enfin dans le chat. N'hésitez pas. Je suis très heureux de répondre avec vous. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, une question. Oui, effectivement. Romain, merci pour ta question. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai des exemples de francophones qui ont des systèmes de vente en place ? Il s'avère qu'il y a beaucoup de francophones qui ont des systèmes en place. C'est souvent des infopreneurs, donc des gens qui vendent des formations qui font ça. Il y a globalement un des entrepreneurs phares qu'on peut voir sur le marketing, qui s'appelle Marketing Mania, qui a des systèmes de vente en place et qui a une stratégie d'acquisition de son trafic qu'il fait sur YouTube et qui va amener progressivement les gens dans son système pour les engager et leur faire gagner en confiance et ensuite leur vendre des formations après leur avoir offert des choses. Donc oui, il y en a en France et il y en a plein d'autres. Par exemple, Romain, je sais que tu aimes ça, mais enfin, Antoine BM qui a un tunnel de vente. À un système justement où il va nourrir ses utilisateurs
et pour qu'il puisse justement derrière acheter et ça lui permet d'en vivre. Et c'est, je pourrais en citer plein d'autres. Donc là, pour l'instant, on va étudier essentiellement les entrepreneurs anglo-saxons. Si vous avez un intérêt pour les francophones, si vous en avez, que vous voulez qu'on étudie, n'hésitez pas. Et on verra par la suite, peut-être un système de vente. Qu'est-ce que je pense de System.io? C'est une solution alternative à ClickFunnels. En fait, l'intérêt de ces deux solutions, c'est que ça permet de construire un ensemble de pages rapidement. Et le différenciateur par rapport à un WordPress classique, c'est que ça permet justement de faire ce qu'on disait tout à l'heure, la vente complémentaire en un clic sans avoir à remplir à nouveau son formulaire de carte bancaire. C'est-à-dire que sur WordPress, il y a un plugin qui fait ça, que je n'ai pas encore testé, mais qui fait ça et qui propose en tout cas. Donc, ClickFunnels, GetResponse, et plein d'autres qui sortent à peu près tous les jours. Ça bourgeonne comme du lierre. C'est vraiment très, très fertile comme sujet, parce que bah, du coup, ClickFunnels fait beaucoup d'argent, donc ça attire beaucoup de gens. System.io ou ClickFunnels, c'est assez similaire. La dernière fois que j'ai testé System, ça marchait peut-être un poil moins bien, mais ça avance assez vite, donc c'est assez similaire. C'est assez similaire. Merci pour tes questions, Romain. Écoutez, je commence à fatiguer un petit peu, n'empêche. J'étais super content d'être avec vous. Ça fait 1h20 que je vous raconte des choses sur les systèmes de vente. Je suis très très content que vous soyez encore là avec moi à plusieurs. Hein. Du coup, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, par mail, par mon site. Je serai très content d'avoir vos retours sur ce live, voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et comme ça me permettra du coup de préparer au mieux pour vous apporter le plus de valeur pour le prochain live, qui est le 6 février à 18h. Donc là, pour l'instant, l'idée du jeudi 18h, ça me plaît plutôt pas mal. Vous avez été plusieurs à venir. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, même en off, si je vous connais, à me voir ou à m'appeler en vrai. Sinon, à me contacter par mail, par Messenger, par où vous voulez en fait. Je serai très content d'avoir vos retours. Voilà. Merci Loïc. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous inscrire sur le lien que vous voyez encore à l'écran là. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations qui vous permettent de justement aller plus loin pour votre entreprise. Je vous l'envoie directement par mail sous 48 heures, je pense, le temps que tout le monde là sur le live récupère son lien, récupère son, enfin, mette son mail. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite tout le meilleur pour vos business. Je vous dis à jeudi 6 février pour le prochain live. On verra la suite du système de ClickFunnels. On va voir ça en détail. On va analyser tout ça en détail. Il y aura encore plein de choses à raconter et ce sera qu'une première étape avant d'en analyser plein d'autres. Là, j'en ai trouvé un qui est franchement super intéressant. En 3 mois, là, ils sont dans une croissance qui est extraordinaire et je vous en parle bientôt. C'était Amaury. J'étais super content d'être avec vous et je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.